Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo donc création de mon petit coin terrasse. Je vous en avais parlé dans un vlog. Donc avec Anthony, on a acheté tout le matériel nécessaire pour pouvoir réaliser donc notre petite terrasse. Donc là, on a pris à Leroy Merlin, oui c'est ça, on a pris chez Leroy Merlin des dalles en fait en bois clipsable. On s'est pas embêté, on a pris les premiers prix, donc c'est 2,99 la dalle, l'unité. On en a pris en tout, je crois, 54. Donc voilà, vous faites le calcul et vous aurez le montant total pour la terrasse. En dessous, on a juste posé en fait un voile comme ça, géotextile. Donc c'est pas notre préféré celui-ci chez Action, on préfère l'autre qui est un peu plus rigide, mais il y en avait absolument plus, donc bon, on s'est dit c'est pas grave, celui-ci fera l'affaire. Donc là, bah, je clipse dalle par dalle. Au début, c'est pas évident, il y a un petit coup de main à prendre, mais après, c'est bon, ça se fait tout seul, donc vraiment, c'est à la portée de tout le monde. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Donc je m'attache les cheveux pour être tranquille, parce qu'avec le vent c'était pas possible du tout, et je continue tranquillement le montage de la terrasse. I feel so alive. As I reach out to the sky. I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. Enfin, pour bien resceller les dalles entre elles, c'est bien de marcher dessus pour bah voilà, aplatir bien au niveau des, comment dire, des jonctions entre les deux. Enfin voilà, et ça permet de vraiment être sûr que tout est bien incrusté, tout est bien imbriqué les uns dans les autres. Ensuite, je découpe le petit rebord de géotextile en fait qui dépassait. On commence gentiment à installer donc le mini salon de jardin. Donc celui-ci, on l'a acheté à Leclerc. On avait regardé avant chez Truffaut, mais c'était vraiment vraiment hors de prix. Et enfin voilà, on voulait pas mettre très cher dans notre petite terrasse devant. C'était juste voilà, enfin c'est juste une petite terrasse comme ça, tranquille, pas besoin de mettre non plus des sommes folles. Anthony termine le montage du salon de jardin, donc là il met en place la table.
Je mets ensuite les petits fauteuils de chaque côté. Donc concrètement, ça donne les trois enfants sur le canapé. Voilà, ils sont encore petits, donc ça va. Quand ils seront plus grands, on rajoutera, je pense, un petit fauteuil et chaque adulte de chaque côté. Je range tout le petit bazar qu'il y avait par terre, enfin tous les cartons, emballages et compagnie. Ensuite, je m'occupe des plantes, puisqu'une terrasse, c'est plus joli, je trouve, quand elle a des petites plantes, voilà, qui la fleurissent. De ce côté-là, on est en plein soleil, donc on a pris des plantes méditerranéennes qui résistent bien justement à la chaleur. Donc là, c'est des lauriers. Alors, c'est pas des lauriers roses. Il y en a un, c'est un multicolore. Anthony qui l'a trouvé, il a du blanc, du rose, enfin plusieurs couleurs. On l'a trouvé vraiment trop trop joli. En plus, c'était en promotion, pareil, dans la galerie de Leclerc, à 13 € le laurier rose. En plus, c'est des grands, je trouve, donc vraiment bonne affaire. Et les pots, on les a achetés à 29 € l'unité à Leclerc, pareil. Donc, je mets en place les bacs avec les plantes. Et je trouve que ça change tout. C'est vraiment plus sympa comme ça. Et quand les lauriers seront en fleurs, ce sera encore plus joli. Bon, je fais une petite pause de 30 secondes bien méritée. Et ensuite, voilà, je vous montre le résultat. Ça fait vraiment un petit coin cosy cocooning. La terrasse, c'était juste pile poil, hein. Il n'aurait pas fallu qu'elle soit plus petite, par contre. Mais voilà, ça donne plutôt bien et ça nous permet d'avoir un aperçu pour la suite, puisqu'on aimerait mettre une terrasse, mais en dur cette fois. Je mets en place une petite bougie. Anthony lève le parasol parce que vraiment on a beaucoup de soleil de ce côté-là. Donc voilà, je suis vraiment super contente du résultat. C'est vraiment pour moi un rêve qui s'est réalisé. Je voulais vraiment aménager ce petit coin-là, juste devant la fenêtre de la cuisine. C'est vraiment pratique quand on veut passer les plats. Je vous remonte le avant-après. Voilà, c'était pas terrible, terrible juste avant. Et là, avec peu de choses finalement, on a réussi à se faire notre petit coin cosy cocooning. J'espère que cette vidéo décoration, transformation de la terrasse vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis donc à lundi pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.